bien salut à tous les amis, c'est Rafcrafter. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui, on va parler du québécois parce que énormément de gens regardent mes vidéos alors qu'ils sont français de France et ils ne comprennent pas toujours ce que l'on dit. Aujourd'hui, on se retrouve pour comprendre comment parler québécois sans avoir l'air d'une espèce d'immigré ou alors plutôt nous comprendre si jamais vous n'arrivez pas à le parler. Vous êtes pardonné si jamais c'est le cas. Alors, je donne tout crédit à Denise. Ouais, voilà, comme ça, ça se prononce de même. C'est elle qui a fait la vidéo. Je ne fais que reprendre ce qu'elle a dit en plus court, puis avec moi, donc c'est plus simple comme ça. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de mauvais? Bon, alors, on va commencer tout de suite. Nous commençons avec les sons. Alors, A devient A comme pas devient pas. Le A avec un accent se prononce AOU. Pout. Oua devient oué. Toi devient toué. Moi devient moué. Un devient un. Lutin devient lutin. Demain. ER se prononce air. Hier. Fier. Hiver. E devient ER. Beurre. Or. E devient AR. Mère. Le je devient ch. Chu chez nous. Plus devient pu. J'suis plus là. J'suis pas capable. Quand un mot se finit par ist ou par isme, on ne prononce pas la fin. Comme journaliste devient journaliste. Avec les expressions, on commence avec etc. qui devient etc. Aller faire du shopping devient magasiner. Une salle de sport devient gym. Ça a le goût de devient ça goûte. À 7h devient à star. On ne dit pas petit déjeuner, déjeuner et dîner. On dit déjeuner, dîner et souper. Un moment donné devient amener. Parce qu'il est parce qu'il est. Qu'est-ce qu'il y a devient qu'est-ce qu'il y a. Ce qui fait que devient fac. Dès que ça va arriver devient max ça arrive. Dans le, dans la ou dans les se prononce dans. Avec le et le les, on met un petit l à la fin. Dans le magasin, dans la voiture. Nous ne disons pas vachement. Je sais pas d'où ça sort, mais non, vachement ça n'existe pas. Putain aussi n'existe pas. C'est un mot qui vient d'une autre dimension. Nous ne disons pas ça. Nous, on a les sacres. Je n'ai pas envie de les dire, donc je vais simplement les afficher ici. Comment parler québécois si jamais on ne place pas un « tu » dans les phrases? Parce qu'évidemment, les « tu », on en met même quand on n'est pas à la deuxième personne singulier. C'est-tu moi ou il est bizarre, lui? Il fait-tu ce que je pense qu'il fait? On est-tu vraiment comme ça? Non, mais ils sont-tu assez caveux? Et le dernier mot qui peut être placé un peu partout, c'est le « là ». Non, mais là, c'est parce que je suis occupé, là. C'est parce que tu comprends pas, là. Là, tu vas m'écouter, là, parce que là, franchement, change ton comportement, là, parce que là, ça va vraiment pas, là. Vous voyez? Ça vient comme ça. Et voilà, si jamais vous avez encore des questions après tout ça, ben tant pis, vous avez qu'à écouter, bien. J'ai beaucoup de trucs qui sont en préparation sur la chaîne, alors tu peux t'abonner, activer la cloche pour être notifié. Tu peux aussi aller voir ma chaîne secondaire, j'en ai pas encore parlé, mais elle est là, vous avez qu'à cliquer. En description, il y a ma chaîne secondaire, je poste quelques vidéos de même des fois si jamais j'ai envie. Et rejoindre Discord, parce que c'est très important de rejoindre Discord. Parce que je parle souvent de mes projets, je mets des petits spoils par-ci par-là, puis vous pouvez déposer votre skin. Je vous laisse, ciao!